aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc là c'est la Beautiful Box du mois de novembre. Vu que je suis en Colissimo 48 heures, donc là je l'ai reçu hier je crois. Oui, on est le 6 novembre 2020 et je l'ai reçu hier, donc le 5 novembre 2020. Du coup, bah, je vous la fais là maintenant. Oui, il y a Mia qui est venue s'incruster un petit peu dans la vidéo, comme d'habitude. Hein, ça ne peut pas changer. On ne va pas changer. Hein, Et donc, du coup, elle se présente donc, comme ceci, la box de ce mois-ci, donc la box du mois de novembre. Donc là il y a des noix de coco en dessin dessus, donc qui est plutôt bien, franchement c'est assez beau, j'aime beaucoup la couleur, donc on l'entend ronronner, elle est trop drôle. Oh my god, comme à son habitude, donc il y a son petit fascicule à l'avant et ensuite bah, vous retrouvez donc les produits, les cartes, etc. Donc je ne vais pas faire tomber les trucs parce que sinon ça va être compliqué. Donc là du coup pour le mois prochain, le produit gratuit c'est un shampoing à paillettes qui normalement va être de 27,50€. Donc il sera vraiment comme ceci. Donc franchement il y a une belle routine j'ai l'impression. Donc on va pas tarder parce que j'ai presque plus de batterie, tout ça. Donc la grosse galère quoi. À chaque fois c'est la même chose. Donc là on va commencer, donc là c'est de l'huile de coco vierge crue, multi-usage, huile démaquillante, dentifrice, soin visage, corps, cheveux, huile de massage, c'est à dire donc ce produit a une valeur de 7€, donc c'est plutôt pas mal franchement. Et il y a marqué exclusivité, donc lancé avec la Beautiful Box, donc de la marque La Maison du Coco, apparemment, si j'ai bien compris. Donc je vais aller regarder derrière parce que là c'est compliqué. Alors, conseil d'utilisation pour un mot cocooning. Pour chuchoter votre peau et vos cheveux, chauffez un peu d'huile entre vos mains, appliquez-la sur vos zones sèches ou sur vos cheveux. Astuce, elle est aussi idéale en massage. Pour les dents, mélangez à part égale votre huile avec du bicarbonate. Ajoutez une à deux gouttes d'huile essentielle de menthe verte. Vous voilà avec un dentifrice ultra naturel et blanchissant. Ok, donc on peut même s'en servir pour faire un dentifrice, c'est pas mal ça. Pour nous démaquiller aussi, donc on peut appliquer l'huile directement sur le visage sec, on masse délicatement notre peau et ensuite ben, on la rince à l'aide du nettoyant de notre choix. Donc c'est pas mal, ça fait quand même pas mal de trucs, donc hydratant, dentifrice, démaquillant. Franchement, en plus 7€ le pot de 100ml. Donc c'est pas mal du tout, franchement. Franchement, c'est pas mal. Alors, à conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Elle se solidifie à une température inférieure à 25 degrés. DDM, donc c'est jusqu'au 15 août 2023. Donc on peut le conserver jusqu'au 15 août 2023 si c'est ouvert, je pense. Ce qui est normal quand même, parce qu'à un moment donné, ça périme. Hein. Donc c'est plutôt pas mal pour le premier produit de la box. Donc là le deuxième, ça va être ça, non? Oui c'est ça. Donc pour le deuxième produit nous avons un masque cheveux à huile de coco de la marque Jolie je crois, si je ne me trompe pas. C'est encore exclusif, donc ça a été lancé avec la Beautiful Box, oui. Donc du coup ce produit a une valeur de 25€. C'est un 150ml, il se conserve 6 mois, donc c'est marqué sur le produit fabriqué en France, une protection au quotidien, donc c'est un masque cheveux à l'huile de coco. Je pense que de toute façon tous les produits seront sûrement à la coco. Donc là, conseil d'utilisation, donc après votre après vous êtes démaquillé à l'huile de coco vierge. Donc je disais, donc conseil d'utilisation, donc passez sous la douche, prélevez une noisette de produit
et repartissez là sur votre longueur et pointe. Massez votre crème pendant quelques minutes, puis rincez abondamment vos cheveux, ce qui est normal vu que c'est un masque pour les cheveux. Ça a l'air pas mal, en plus hein, 150 ml c'est plutôt pas mal. Quantité, je veux dire, comme quantité de trucs. Là du coup ça va être ça je pense, ouais. Donc là c'est un lait corps coco nourrissant et hydratant. C'est de la marque Comptoir des huiles. Du coup ce produit a une valeur de 16,90€. Ça a l'air pas mal franchement. Donc en gros ça doit être une crème, c'est un lait pour le corps quoi. Du coup, conseil d'utilisation. Alors en sortant de la douche, prélevez un peu de produit dans le creux de vos mains, sur une peau propre et sèche. Massez les zones de vos corps en manque d'hydratation, bras, jambes, coudes. Donc c'est pas mal, c'est un 100 ml. Il se conserve 12 mois après ouverture, donc c'est plutôt pas mal franchement. C'est au parfum vanille, donc ça doit être super bien aussi. Donc à mon avis ça sent la coco et en même temps la vanille, donc c'est pas mal du tout. Ensuite donc nous avons un gommage main à la poudre de noix de coco de la marque L&U. Donc celui-ci par contre est un produit réservé aux abonnés des mois précédents. C'était pas dans la box du client nouveau quoi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un 50 ml, il se garde 6 mois après ouverture. Il a une valeur de 17€. Donc 17€, 50 ml c'est énormément cher je trouve. Alors, conseil d'utilisation, après l'application de votre lait pour le corps, sur vos mains préalablement humidifiées, prélevez une noisette de gommage, massez délicatement l'ensemble de la surface de vos mains, puis rincez à l'eau claire. Donc oui, c'est un gommage pour les mains, c'est pas mal. J'avais déjà testé, il me semble, un gommage pour les mains magnétiques, donc là c'est pas mal parce que j'aime bien prendre aussi soin de mes mains parce que ça touche beaucoup l'eau et tout ça, donc ouais c'est plutôt pas mal, je suis assez contente, donc à vous tester aussi. Alors, hop. Ensuite nous avons une crème pour les mains à l'huile de coco et de karité de la marque Pura Bali. Donc ça a l'air pas mal. Ce produit a une valeur de 18€. C'est un 50 ml. Oui, il se garde 6 mois après ouverture. Donc voilà. Donc là, c'est une crème pour les mains. Donc on prend une noisette de crème et puis on se masse les mains avec quoi. Et voilà, donc ça hydrate nos mains. Donc pareil, j'ai déjà pas mal de crème pour les mains, mais j'ai quand même hâte de pouvoir tester celle-ci. Parce que je prends également énormément soin de mes mains, donc voilà. Ça a l'air trop bizarre ce truc. Ok. Donc là, pour finir, nous avons une chauffette coco. Donc de la Beautiful Box, du coup. C'est donc directement la marque elle-même qui a fait ça. Donc ce produit a une valeur de 6,90€. Je sais pas à quoi ça sert. Alors, conseil d'utilisation, dès que vous avez froid aux mains, clipez la pastille à l'intérieur de la chaufferette. Elle se durcit à la chaleur, se propage en quelques secondes. Prenez la chauffette entre vos mains et profitez de sa douce chaleur. Après utilisation, faites bouillir la chauffette dans une casserole pendant 5 minutes. Elle retrouvera son état originel et vous pourrez la réutiliser une prochaine fois. Ok. Bah c'est pas mal. Alors du coup il y a une espèce de pastille ou je sais pas quoi à l'intérieur de la... Donc tu vois il y a une espèce de pastille, donc ça a l'air pas mal. Donc une fois qu'on l'aura utilisée, on peut la refaire chauffer 5 minutes, bouillir. Et puis après elle va retrouver son état d'origine et ensuite on va pouvoir la réutiliser. C'est pas mal, franchement, je connais pas, donc je sais pas si je serais hardie de tester ce genre de produit.
Je sais pas, j'hésite entre vous la garder pour un concours ou l'utiliser moi-même, j'en sais rien parce que c'est pas le genre de truc que j'utilise, franchement, ouais, je sais pas, j'hésite. Du coup, tous les produits ont été présentés et franchement, la box elle propose quand même un large choix de produits à tester pour ce cocooning. Donc c'est génial. Du coup, franchement, ça va. Il y a quand même pas mal de produits que j'ai hâte de pouvoir tester. Du coup, bah moi, j'ai terminé cette vidéo et du coup, je vous dis à une prochaine pour une prochaine. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.